Salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, bon la game n'a pas trop d'importance. Aujourd'hui on va parler de la méta actuelle de League of Legends. Beaucoup s'en plaignent, beaucoup m'en parlent. Du coup aujourd'hui on va parler de ça. Alors deux secondes, je prends juste quoi comme objet moi On va prendre ça. On va prendre ça pour le POC du Q de Kassadin. Du coup, aujourd'hui parlons de la méta de League of Legends. Alors en fait la méta actuelle... C'est pas qu'elle est très différente, c'est juste comment les gens s'en servent en fait. Vous savez, ceux qui suivent League of Legends et qui y jouent, dans le jeu, les ADC, donc les Marksmen, les tireurs, ont été un peu nerfs au niveau des stats. Et du coup, en fait, vu que ça a été nerf, les gens ont commencé à jouer des briseurs. Des briseurs style Jax, Irelia, et même d'autres mages comme Vladimir, à la botlane. Donc en fait, ils prennent la place de l'ADC, donc là par exemple de Miss Fortune. Et il joue autre chose. Là, par exemple, on voit aussi des Ezreal avec téléportation. J'adore ces gens-là qui prennent téléportation et qui perdent leur lane parce qu'il n'y a pas de heal et qu'ils essaient de jouer agressif alors qu'ils comprennent pas que c'est juste pour avoir la tire plus rapidement. Enfin, je vous conseille de pas jouer téléportation à la bot lane. C'est pas en solo queue, les gens. Évitez en solo queue. Du coup, il y a des briseurs maintenant à la bot lane. Là, j'ai des ADC. Parce que les gens s'aperçoivent petit à petit que bah, c'est de la merde. C'est pas comment dire que c'est pas de la merde. C'est qu'il va falloir avoir un temps d'adaptation. C'est vraiment pas facile de jouer un briseur à la botlane parce que bah t'es censé jouer. Bah t'es censé. On a l'habitude de jouer à la botlane un tireur du coup distance. Et c'est très facile de farm à distance avec un tireur. Mais va farm avec un Jax, un Darius ou des trucs comme ça. Tu vas te faire poc par. L'ADC en face, le support en face, imagine que c'est une Zyra Ezreal. Bah, quand tu vas essayer d'aller farm, tu vas avoir des petits problèmes en fait. Oui, là je joue Darius mid en passant, c'est juste pur kiff. La méta n'est pas la mid lane. Hein. Pour les mid, top, jungler, ça. C'est plus ou moins la même chose. C'est juste que Kassadin en fait contre les mages. Et vu que je joue Darius mid parfois. Je me suis dit, pourquoi pas. Rien de ouf. Ouais, mais là, je peux le tuer, en fait, là. Je monte niveau 3, je le tue, je crois. C'est Amumu jungler, du coup, je risque rien. Je vais pouvoir prendre des bots tranquillou. Du coup, en fait, voilà, le truc, c'est que la méta actuelle, oui, tu peux jouer un briseur. Le seul souci, c'est que les gens ne savent pas encore s'en servir. C'est des gens qui font des first time, et c'est un peu compliqué pour eux, parfois. Écoute, ça passe. Récapitulatif. C'est-à-dire qu'on voit des joueurs pros utiliser un briseur à la botlane et ça fonctionne. Mais c'est parce qu'ils ont un coach derrière. Ils ont des gens qui calculent des trucs. Ils y vont pas comme ça en solo queue. Tu vois un streamer, par exemple CutiePie, il a essayé de jouer des briseurs. Il a dû faire 17 défaites d'affilée en fait. Il faut s'entraîner. Les ADC ça fonctionne toujours. Les briseurs vont peut-être rentrer dans la méta à la botlane. Et c'est ce que League of Legends veut faire. Mais ça prendra un temps d'adaptation. Parce que bah, c'est pas encore entré dans... Attends mais il m'a arraché la gueule. C'est le canon qui m'a fait ça ou quoi? Vache! Mal. Bon là il demande de l'aide. Parce que je ward jamais. Ça se comprend. Ah qu'est-ce que ça fait plaisir de détruire un Kassadin. Parce que vraiment Kassadin je l'aime pas du tout. Vous connaissez ma haine envers les Kassadin. C'est trop fort contre les mages. Et j'ai pas Panthéon sur ce compte là, et du coup je me suis dit, allez, un petit Darius, les runes vous les avez en bas, pff, je sais pas, hein, j'en sais rien, je suis pas du tout un main Darius, j'ai jamais joué Darius mid, c'est juste que ça me tentait, si on la gagne, on est en D4 d'ailleurs. Et donc voilà, on va se prendre un petit truc comme ça, oh non, je vais prendre carrément ça, ça va être mieux en fait. Hop. Et donc voilà. Donc en gros, pour la méta actuelle en fait... Je pense qu'au bout d'un mois, les gens vont s'y habituer. Du coup, si vous voulez vraiment tryhard les ranked,
c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment, ou sinon, jouez ADC. Jouez ADC, et vous allez défoncer ceux qui sont ADC en face, et qui jouent un briseur de merde, en fait. Et qui ne savent pas jouer. Vous allez le défoncer en gardant votre ADC, en fait. Je joue juste le canon. Nice. Donc voilà, moi j'ai arrêté un petit peu de tryhard, c'est pour ça que vous me voyez sur du Darius en ranked sur ce compte là. Dommage. Ah c'est con hein, les 15% de réduction ça marche juste en AP. Aïe 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 aïe. Du coup en vrai, moi ce que je vous conseille c'est entraînez-vous sur un nouveau champion. Ou bah jouer comme d'habitude, mais bon. Bah la botlane, si t'as une Irelia first time à la botlane, bah tu vas perdre en fait. Le mec il va pas savoir. Et en plus il y a des gens qui prennent Riven. Il y en a qui prennent Yasuo. Alors Yasuo ça marche très bien. Tu vois même souvent je crois Faker qui joue Yasuo bot. Et qui rend 1 actuellement d'ailleurs. Mais c'est pas simple hein. Ah, Famos ADC qui a besoin d'aide. Elle a géré hein, le 1v2, parce que pourtant Miss Fortune c'est pas easy à faire du 1v2. On va venir tranquillou. Ah, il y a déjà un 8 là. Ah bah oui. Oh, quel dommage. Est-ce que téléportation ça marche pas? Non, s'il vous plaît. Si vous allez à la botlane, je le dis en stream, ne prenez pas téléportation si vous êtes si vous êtes l'ADC. Parce qu'en fait, de 1, on est habitué tout le temps à avoir notre ADC avec heal. Et heal, c'est beaucoup trop important, les gens. Vraiment. C'est... Vous allez jamais pouvoir trade, sinon. Et j'ai jamais vu une lane qui a gagné avec une téléportation. En tout cas, c'est très rare. Du coup, s'il vous plaît, juste prenez heal. Même si vous jouez Irelia ou des trucs comme ça, je m'en fous. Tiens. Parce que zoner un mec, c'est... C'est chiant. Il avance plus, putain. Mec, je vais te prendre sous tour, hein. Ah, écoute, hein. Je l'aurais pas. Oh, flash. Oh, le dodge. Ah, dommage. Je savais qu'il m'attendait, le petit fourbe. En vrai, je suis pas assez résistant. Donc oui, les ADC sont toujours forts, les gens. C'est juste une hype, évidemment. Et prenez pas téléportation, putain, les gens. Quoi? Je l'ai pas eu, putain. Non, mais putain, mais c'est ouf, comment c'est trop fort ce build, putain. Ah, dis-moi que tu finis et que je deviens tempo. Allez, let's go. Ah, merci, on a eu un ADC. Mais jamais on aurait pu gagner. Et le renecton, mais... Je hais cette personne, je la déteste. Je déteste cette personne. Bon, en tout cas, voilà. Division 4. Merci, merci, merci.
Voilà, grâce à un ADC, mais jamais avec un ADC, on aurait pu faire ça. Bon bref, la méta actuelle, les gens, a rien de grave. Continuez de jouer ADC si vous jouez ADC, si vous aimez jouer ADC. Si vous voulez jouer des briseurs à la botlane, entraînez-vous. Et puis c'est tout. La botlane, finalement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est ça. Et puis les ADC restent très bons quand tu y sais le jouer. Après, il faut du peel, évidemment. Bref, on se voit à bientôt. À la prochaine, ciao.